plus apprendre. Je veux comprendre d'où je viens, où je vais. Quoi, quoi, bonjour. Je m'appelle Mimi Obansoin. Je suis fière franco-ontarienne et Abenaki, auteure, compositrice, interprète, ancienne du Collège Notre-Dame. Le bien-être d'une personne est lié à son sens d'appartenance, à son identité, à sa fierté, à sa famille et sa communauté, et même son esprit comme être humain. Le CSC Nouvel An est fier du respect des différences, de l'équité et de l'inclusion qui est vécue dans ces écoles. C'est pour cette raison que le comité de participation des parents du CSC Nouvel An, en collaboration avec parents partenaires en éducation, vous offre une série de capsules vidéo. Par l'entremise de divers partages et de témoignages, nous allons découvrir ensemble comment le parlage, la musique, la danse contribuent à l'identité et au bien-être et à la guérison des peuples de Première Nation, Métis et Inuit. La dernière capsule vidéo rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leur famille et à leur communauté, et vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Nous vous invitons à visionner ces capsules vidéo avec esprit ouvert. Kwe kwe, bonjour. Tout le monde. Nidijnakaz, Zunde. Nidodem Makwa. Nidonjaba, Witimigoshibi. Bonjour. Je suis Charles Meyer. Je suis avec ma belle famille, ma petite fille, puis mon gars, Elisabeth, puis Rodney. Pour avoir célébré une bonne journée aujourd'hui. Puis je veux faire reconnaître aussi les territoires traditionnels de Tikamishin. Anishinaabe, partagé avec les Métis du Nipissing. Aujourd'hui, on a joué de la musique. Une partie de notre famille, nos amis qui nous entourent, ça vient du cœur. Le cœur, c'est le feu qui brûle en dedans de nous autres pour qu'on continue à faire notre culture, notre héritage. Puis la musique, pour nous autres, c'est notre culture. It's everything. C'est pour célébrer, on a fait du sirop d'érable. C'est pour célébrer l'eau de la mère terre qui a monté dans l'érable. À travers ses racines, qui représentent nos ancêtres, les esprits. Puis l'eau sucrée nous revient. Ça nous donne un signe que la vie commence. La vie, l'eau de la vie. Puis avec la musique, ça nous fait soulager, hein? La musique, ça frappe. Vous savez dire? Le beat du gros drum est en dedans nous autres. Le violon est en dedans nous autres. Puis pour moi, la musique, c'est quand on va dans une grosse ville, ça nous stresse,
La vie est bien vite, ça court partout, les fonds, everything. Mais quand on revient à la musique, ça nous rabat. Ça nous ramène à nos racines, ça nous ramène à la mère terre. Tout est parfait. Puis comme famille, c'est la meilleure chose. Hein? C'est la meilleure chose. Ces deux musiciens, ça continue. Le sirop de rêve va continuer, la musique va tout le temps continuer. So, Miigwetch, merci. Donc, dans ma musique et mon art, c'est vraiment important pour moi de raconter mes histoires et de partager mes perspectives. Donc, c'est certain que mes racines comme étant franco-ontarienne et Abenaki, c'est quelque chose où je peux tirer pour de l'inspiration. Je suis aussi vraiment inspirée par le territoire. J'ai été vraiment chanceuse de grandir sur un super beau territoire au nord de l'Ontario. Donc ça, combiné avec mes racines, c'est de là que je tire vraiment de mon inspiration et ça m'aide beaucoup à trouver ma confiance dans ma créativité. Donc la musique est une façon où je peux explorer mes racines et connecter avec mes ancêtres. Et je trouve le même confort dans le jardinage. Donc soit semer des graines ou écrire une chanson ou travailler dans le studio, ça tire sur les mêmes muscles créatifs. T'sais, on plante quelque chose, on commence quelque chose, on ne sait pas quoi vraiment s'attendre. Et là, tout d'un coup, tu as plein de fleurs, tu as plein de choses à te nourrir, soit spirituellement ou comme la nourriture ou quelque chose de mon jardin. Donc, jardiner, travailler le territoire, écrire de la musique, créer de l'art, vient tout de la même place. Ça vient de mon âme, mon cœur et ouais, mon esprit. Pour moi, la musique peut nous guérir, peut nous rassembler, peut nous donner une place où on peut s'exprimer. Donc, dans les ateliers que je fais avec les jeunes, on parle de comment, quand on chante, quand on se met ensemble pour chanter en groupe, il y a beaucoup de guérison là. Donc, pour moi, dans ma vie personnelle, s'il y a des choses qui se passent autour de moi, je sais que j'ai toujours un ami dans la musique et dans l'art, et dans mon jardin aussi. J'ai toujours une place à venir où ce que je peux juste être moi et mon cœur et mes sentiments et trouver une façon de m'exprimer. J'avais une amie qui faisait beaucoup de méditation et de yoga et elle voulait toujours m'encourager de participer à ses classes. Puis finalement, elle est venue à un de mes spectacles puis elle a dit « Tu es là quand tu es sur l'estrade. » Donc, le travail, tout le stress, toutes les choses qui viennent avec la vie d'un travail d'un artiste, ça, on laisse à côté quand on est sur l'estrade. T'sais, c'est juste moi, c'est juste mes chansons. Je peux être honnête, puis je peux être présente. Donc, avoir des personnes là, puis on peut comme partager l'énergie, il y a quelque chose de vraiment magique là, que j'adore. Depuis que je suis petite, être sur l'estrade, c'est comme ma place préférée. Il y a l'estrade, puis la forêt. mais il y a aussi des moments magiques pour moi. T'sais, quand on joue des festivals de hall, des fois, pour moi, le symbole de la libellule, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Et je me souviens quand on a joué à Parc Bell, pendant une journée, il faisait tellement chaud, puis on pouvait pas vraiment bien entendre, puis j'étais un petit peu stressée, puis tout d'un coup, les libellules sont venues me visiter sur l'estrade, puis une libellule qui a atterri droit sur mon cœur pour toute une chanson. Puis ça, c'était comme un message de « be in the moment », ceci, c'est où tu préfères être. Donc, apprécie de ton temps de jouer de la musique. Donc, pour amener tout ça ensemble, la vie et la musique, c'est pas deux choses séparées pour moi. C'est vraiment ensemble, c'est inspirer l'un les autres et c'est vraiment spirituel. À cause que la musique peut nous guérir et a tellement de pesanteur, je trouve que tout le monde devrait essayer de chanter, de participer à de la musique, créer une chanson, n'importe quoi. Essayez-les, même si c'est la première fois, parce qu'on va trouver quelque chose de vraiment unique et spécial. Pour moi, la musique, c'est comme un superpower. Puis tout le monde l'a en nous. On sait que le tambour représente le battement du cœur, et ça, c'est un rythme que tout le monde a. Donc, on a la musique en nous, et j'espère que vous êtes capables de explorer la guérison et la magie de la musique. Je suis vraiment chanceuse, j'ai grandi avec mes quatre grands-parents. Et parce que je suis Abenaki, franco-ontarienne, j'ai une super grosse famille, qui veut dire que j'ai beaucoup de femmes vraiment puissantes dans ma vie qui ont joué un gros rôle à me faire qui je suis.
et certainement mes grands-mères ont toujours été là. Ce que j'ai appris de mes deux grands-mères, c'est d'être authentique et de ne pas demander permission. Ils m'ont toujours encouragée de poursuivre mes rêves, d'être, tu sais, my weird self, une personne unique. Et c'est quelque chose que je vais toujours ramener avec moi. J'ai une chanson que j'ai écrite qui sort sur mon prochain album qui s'appelle Here's to the Women. C'est une chanson vraiment inspirée par mes grands-mères, ma mère, ma soeur, mes tantes, toutes les belles femmes super fortes autour de moi qui m'inspirent à chaque jour. Bonjour, Annie Kwekwe. Jannick Indigenous Cause, Amik Ndodem, Matawandumjaba. Mon nom c'est Jannick et puis je suis du clan du Castor. Et puis je viens de Mattawa où les rivières se rencontrent. Je vis maintenant proche de Peterborough, mais j'aimerais vous parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire la musique pour moi. Le tambour, le chant, c'est ma connexion avec mes ancêtres. Quand je chante les chants traditionnels de mes ancêtres, c'est comme ils savent que on est encore avec eux autres. On se rappelle de leurs expériences. Et puis, c'est pour faire certain qu'ils savent que ça va continuer. So, je prends une marche dans une petite forêt proche de chez nous. C'est un conservation area. Ils conservent la place parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent. Je marche à côté des cèdres. Ça, c'est de la médecine pour moi, mais aussi la chanson, le tambour. C'est la médecine que je préfère. Des fois, on a besoin du silence dans la forêt. Mais des fois, c'est juste une chanson qui va te faire filer mieux. Et puis pour moi, il y a des chansons que je chante pour moi-même et des chansons que je chante pour le monde, dépendant qu'est-ce qu'ils me demandent pour. Et puis, le battement, le rythme, ça fait quelque chose dans ton âme. Ça move les choses là-dedans. Et puis, ça guérit, comme la musique guérit. Et puis les battements, quand tu te ressens, là, ça fait du bien. Sur la première chanson que j'ai chantée en avant du monde, c'était pour la cérémonie de 13 lunes à mon oncle. Et puis, mon père m'avait dit qu'il avait besoin que je chante. J'avais jamais chanté en avant du monde. J'avais presque pas chanter avec le tambour. Et puis, j'avais déjà entendu une chanson appelée Adumwa. C'est une chanson de remerciement, Thanksgiving. Et puis, la cérémonie est venue. Et puis, c'était la première fois que j'ai chanté. Et puis, j'ai broyé beaucoup. C'était émotif. Pas juste à cause que c'était la cérémonie de 13 lunes du départ de mon oncle, mais le battement et puis le chant ensemble, ça l'a comme réveillé une autre partie de moi. Et puis, depuis ce temps-là, je chante pour le monde parce que j'ai ressenti première personne comment ça sentait d'avoir le chant et puis le tambour pour m'aider à guérir de mon deuil. Ouais, c'était incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà été un power, mais les power pour moi, c'est comme yes! Power! Parce que quand ça arrive, le chant, le battement du tambour, c'est comme ça appelle la communauté à venir ensemble pour célébrer l'été ou la communauté ou quelque chose, pour célébrer l'esprit de quelqu'un qui est parti. Ça dépend, right? Et puis, pour moi, étant un clan du castor, j'ai comme un rôle de partager mes connaissances avec le monde. Nous tenons à remercier les parents et les personnes de ressources culturelles de nos communautés Premières Nations, Métis et Inuit qui ont collaboré à la création de cette capsule vidéo.
afin de nourrir un sens d'inclusion, de respect, ainsi qu'une appréciation pour nos communautés scolaires diversifiées. Voici un aperçu des diverses activités culturelles vécues par des élèves dans les écoles du CSC Nouvel An. La musique est un élément rassembleur essentiel qui transmet la joie, la tristesse et la force à son auditoire. De plus, la musique nous permet de raconter des histoires et de véhiculer des valeurs culturelles ou politiques d'une génération à l'autre. L'apprentissage de la musique s'étend au-delà des socles familiaux et peut se faire d'une personne à l'autre, d'une nation à l'autre, d'un siècle à un autre, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Il est important de noter que pendant des générations, il était interdit aux peuples autochtones de parler leur langue et de vivre leur culture. Les Autochtones accordent une grande valeur à leur langue et culture car elles sont essentielles à leur identité et indispensables pour surmonter les effets cumulatifs du colonialisme. Les élèves et les enseignants du CSC Nouvel An ont diverses occasions d'utiliser les trousses de tambours et de hochets autochtones afin d'apprendre au sujet des Premières Nations ainsi que certaines chansons. Laissons-nous inspirer par les messages et témoignages partagés aujourd'hui et prenons connaissance comment la guérison, qui est fondamentale à l'être humain, se fait par quatre voies. Saviez-vous que le rassemblement en famille se passait dans les foyers de maison, autour d'un feu ou autour d'une table? Ceci donnait l'occasion de chanter, danser et de conter des histoires, et les hommes et les femmes avaient souvent leur propre répertoire. Voici quelques exemples historiques et courants. Les Métis chantent et jouent leurs propres chansons, souvent dans le style traditionnel de la chanson folklorique. Les Premières Nations chantent et jouent des chansons à l'intention d'événements les plus courants de leur vie en employant un instrument traditionnel. Le mot Nunavut signifie « notre terre » en langue Inuktitut. Les Inuks aiment explorer le chant de gorge et ce type de chant appartient spécifiquement aux divers peuples de cette région. La musique contribue surtout au bien-être de la personne et donne un sens d'appartenance et de fierté. La Journée nationale des peuples autochtones est une journée de célébration officielle visant à reconnaître et à honorer les réalisations, l'histoire et la richesse des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Maintenant, nous aimerions vous offrir à votre tour de profiter d'une activité de bien-être et de guérison. Vous êtes alors invité à choisir l'une des activités proposées et de vous engager à la vivre avec votre famille et vos enfants. Écouter et jouer de la musique en famille. Inviter un aîné à partager un conte ou une chanson préférée. Écouter de la musique d'une autre culture et entamer une discussion. Explorer comment la musique contribue à votre bien-être. Nous espérons que vous allez vous amuser en famille. Nous tenons à remercier nos invités pour leur partage enrichissant. N'oubliez pas de visionner les autres capsules vidéo. Un grand merci, Miigwech ou Liwnit.